Yo, on va faire une petite vidéo comme ça. Tout rapide. Non, bon, en réalité, on va pas la faire toute vite, cette vidéo, parce que c'est la loi imposée par la concurrence youtubienne, quoi. Cette vidéo est sponsorisée par Lucky Menthol. Après rince cochon et tout, maintenant on se fait des vidéos clope au bec. C'est comme ça ici. Mais on prend son temps du coup. Donc aujourd'hui on va parler de Sunsoft et de Naoki Kodaka. Oui, c'est bien comme ça qu'il s'appelle. Le compositeur, le mec qui a fait les musiques de Batman et de trucs comme Gremlins 2 sur NES quoi. Il est aussi derrière Blaster Master, Fester Quest, des jeux de ce genre, quoi. Putain, ça va bien puer partout, ça va être génial, quoi. Je vais me faire engueuler, en plus, après cette vidéo. Mais bon, bref. Parlons peu, parlons bien, n'est-ce pas? Alors, qui c'est Naoki Kodaka? D'abord, c'est une sacrée tête de paix, quoi. Et bon, le mec a bossé chez Sunsoft dans les années 80-90 en tant que compositeur de Zik, et autant le dire tout de suite, derrière sa sale tête de peine cul, il planquait quand même un sacré talent, quoi. On compte dans ses OST des trucs comme, je l'ai dit, Batman, Blaster Master, Fester Quest, Gremlins 2 sur NES, et c'est l'époque où Sunsoft rayonne, parce que voilà, ils sont considérés comme étant parmi les meilleurs développeurs sur NES. Ils gèrent à fond le hardware de la machine, et franchement, leur jeu, ça reste encore à ce jour parmi les plus impressionnants qu'elle compte, quoi. Enfin, je leur dispute un peu le titre avec Capcom, mais on verra ça après, parce que bon, les raisons valent le coup qu'on s'attarde un peu dessus, mais c'est une grosse digression, et bon, je sais que si vous regardez ces vidéos, vous n'avez pas peur des digressions, mais voilà, préparez-vous. Les mecs nous pondaient des jeux au graphisme fin, souvent dotés de petites cinématiques classieuses, avec des sprites imposants et bien animés. Et pour couronner le tout, il y avait toujours des zics qui déchirent à mort, quoi. C'est simple, quand on mate leurs jeux, et qu'on sait qu'ils ont côtoyé des jeux comme les pourtant excellents Zelda ou Donkey Kong, bah on a limite du mal à croire que ce soit sur la même machine. Mais bon, revenons à la digression capcomienne. Hein. Capcom, c'est un peu l'autre grande marque qui a vraiment bien exploité les limites de la NES, qui les a repoussées plus que de raison, quoi, malgré... oui, voilà, les limites de la NES étaient vraiment assez dégueulasses et contraignantes. C'est même assez fou tous les développeurs aient réussi à faire des jeux aussi incroyables avec, parce que... enfin, incroyables. Des jeux aussi évolués. Parce que finalement, elle était presque conçue pour faire des jeux comme l'Atari, quoi, l'Atari 2600. Il y avait... à la base, le scrolling ne devait pas exister sur NES, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que sur tous les jeux où il y a du scrolling, c'est-à-dire pratiquement tous, ils bug, ils saccadent, ou alors il y a des bordures dégueulasses. Par exemple, sur Mario 3, c'est typique. Ça s'explique techniquement, mais bon... la vraie raison, c'est que la NES était un peu merdique quand même, quoi. Il faut bien l'avouer. Capcom avait aussi ce talent comme ça pour faire des musiques de dingue, des gros sprites gigantesques. Bon, ça, ils utilisent des éléments qui sont faits pour les décors, normalement, comme ils font des très gros sprites, comme le Gutsman géant dans Mega Man 2, des choses de ce genre. Il y avait des parallaxes de fou, là, dans l'épisode 6, sur certains décors. Et surtout, les sprites dépassaient la limite de couleurs qui était imposée... qui était imposé par la machine, parce que normalement les sprites pouvaient compter que 3 couleurs. C'est chiant la clope, hein, je peux pas parler en même temps, c'est nul. Mauvais sponsor. Enfin bref, si vous regardez bien sur les jeux NES, les sprites sont toujours composés de 3 couleurs en fait, enfin dans pratiquement tous les jeux, quoi. Sauf dans les Mega Man et peut-être quelques autres exceptions, mais pas beaucoup, hein. La plupart des jeux Nintendo, estampillés Nintendo, utilisent aussi la limite de 3 couleurs. Même sur des trucs comme Super Mario Bros 3 et des jeux comme ça qui sont pourtant les plus avancés que Nintendo ait fait. Dans Mega Man, si tu regardes les boss et même certains ennemis et Mega Man lui-même, ils ont tous plus que 3 couleurs, quoi. Parce que comment faisait Capcom pour passer cette limite? Bah tout simplement, ils superposaient plusieurs sprites les uns sur les autres. Et du coup, ils enculaient complètement la limite de sprite qui était pourtant vachement basse par ligne sur NES, quoi. Je sais plus, il pouvait y en avoir genre 8 par ligne ou quelque chose comme ça. Et au-delà de ça, ça scintillait, ça ralentissait et tout. Chose dont Mega Man 1 fait pas mal les frais, quand même. Mais à partir de l'épisode 2 et des suivants, bon, ça rame encore par-ci par-là, mais quand même beaucoup moins, quoi. Donc les mecs, juste, ils ont méga géré, je sais pas comment ils ont fait leur moteur, mais bon, ça s'appelle le talent, quoi.
Ce truc de dépasser la limite de couleur, c'est un peu le seul machin qui fait que Capcom, pour moi, est un peu devant Sunsoft, mais ça se discute parce que Sunsoft, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont utilisé plus intelligemment la limite des trois couleurs, quoi, à tel point que par moment, bah, on le remarque même pas, quoi, on a l'impression que les sprites sont composés de plus que trois couleurs, quoi. Par exemple, si vous regardez Batman, tous les sprites hein, dans Batman, les petits ennemis, Batman lui-même, Batman, lui, il est composé d'une nuance de bleu clair, une nuance de bleu foncé et du noir, quoi. Grâce à la nuance de bleu foncé, il y a le modelé du corps de Batman, c'est en même temps la couleur de sa cape, et la nuance de bleu clair, elle sert pour tout le reste. Le noir sert aussi en tant que nuance de couleur, c'est pas juste un truc pour faire le contour du personnage. Donc voilà, c'est utilisé vachement intelligemment parce que ça se base plus sur les ombres et lumières que sur du contour et du remplissage, quoi. Bon, alors le problème, c'est que Batman, il a la peau bleue, quoi. Mais personne n'a trop relevé, ça a pas l'air de déranger des masses, donc... pas grave, hein. Quel sponsor pourri. Mais donc, après, quand tu regardes les sprites, Sunsoft utilise souvent les différentes nuances aussi pour faire des effets métallisés, des reflets, des ombres et lumières vraiment assez subtiles et élégantes. Mais dans tous ces jeux, hein, dans Blaster Master par exemple, ça se voit tout le temps. Il y a des orbes avec des reflets blancs et des objets métallisés, ça donne du volume et de la matière comme ça au jeu. Alors que c'est très simple, quoi, c'est fait à partir de rien. N'importe quel autre concepteur ou développeur aurait pu le faire, mais... Ouais, ils avaient pas le talent, pas les dessinateurs, pas des mecs suffisamment intelligents pour faire ça comme ça. Donc c'est vraiment un truc où on voit que les mecs étaient astucieux et savaient ce qu'ils faisaient, quoi. Ils savaient dessiner, ils savaient... c'est pas juste des couillons qui faisaient leur petit jeu comme ça en 3 secondes comme les mecs sur Atari 2600, quoi. Dans Batman, vous avez par exemple les petits ennemis au début, les petits ennemis de base qui sont faits aussi avec 3 couleurs comme ça, où devine carrément que les mecs portent des treillis parce qu'ils utilisent la même nuance que celle de la chair ou des bottes ou du réacteur sur leur dos pour faire les petits motifs du treillis, quoi. Et il y a des petits robots comme ça avec quelques petites nuances dessus, on comprend qu'ils sont métallisés parce que les mecs font des petits reflets comme ça sur les personnages. C'est tout dans la toute petite nuance comme ça, mais qui fait toute la différence, quoi. Le jeu a l'air d'être plus détaillé que pas mal d'autres, alors qu'en fait il a les mêmes limites, quoi. Et alors là, je parle même pas des décors dans Batman, ils ont l'air de sortir d'un jeu Mega Drive, quoi. Donc, franchement, dans le genre dépasser les limites de la NES, ça se pose là, quoi. T'ajoutes à ça des animations de démons et les musiques de Naoki qui niquent ta mère, quoi, et là t'as compris que t'es face à un truc sérieux, quoi. Mais bon, revenons à notre bonhomme. Sans ses OST, ces jeux auraient déjà tout pété, mais avec lui, ils ont encore plus tout pété, quoi. Le bonhomme ne travaillait pas seul, hein, évidemment, il composait ses zik sur Paplar, tel Mozart, quoi. Et ensuite, il les livrait à son équipe qui se chargeait de transposer tout ça dans la machine, quoi. Par la suite, il venait faire des retours aux mecs sur leur travail pour leur préciser ce qui collait pas et comment il avait envie que la musique sonne. Mais du coup, en travaillant de cette manière, ce que ça a fait, c'est que... ils n'ont pas travaillé à partir des limites de la NES, ils ont plutôt travaillé à partir d'une vraie composition qui rentrait dans la NES, et du coup ils étaient plus exigeants, quoi. Ils n'étaient pas juste là à faire « bon, qu'est-ce qu'on arrive à faire avec ces bip 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 ?» Voilà, ils avaient des visées vachement ambitieuses, quoi, finalement. C'est ce qui a permis à Sunsoft d'exploiter certains des trucs du hardware de la NES qui étaient sous-exploités par les autres devs qui, quelque part, devaient... se satisfaire du minimum syndical pour les zik, alors que eux, voilà, quand ils cherchaient quelque chose d'un peu exigeant, bon bah... ils ont transcendé la machine et ils l'ont exploité à fond. Par exemple, le fameux cinquième canal, qui est le truc qui fait toute la différence sur les zik de NES, Sunsoft l'a utilisé presque tout le temps dans ses jeux, quoi. Alors oui, en parlant des canaux audio de la NES, il faut savoir qu'elle a 5 canaux audio, donc il y a les deux premiers qui servent pour l'essentiel des zik sur NES, c'est, bon, même chez Sunsoft, hein, c'est ce qui compose la mélodie en général, quoi. Le troisième canal était souvent utilisé pour la ligne de basse, mais bon, il est un peu particulier, bon bref. Il y a un quatrième canal qui lui est utilisé pour un bruit un peu métallique, un peu neige télé, comme ça, qui lui a pu être utilisé dans certaines zik, comme par exemple dans Mega Man 2, dans le stage de Metal Man, il y a des espèces de bruits un peu électriques, comme ça vient de ce canal-là. Et le canal 5, c'est le canal des samples, en fait. Et lui, il est très utilisé pour, par exemple, des percus dans Super Mario Bros. 3, ou les lignes de basse des jeux de Sunsoft,
où il y a tous ces sons qui sont beaucoup plus modulaires et, que les autres, quoi. Donc voilà, les zik un peu raffinées sur NES, elles utilisent les 5 canaux à fond la caisse, et c'est un boulot que la plupart des développeurs n'avaient pas envie de faire. Je vous invite à aller regarder la vidéo NES Audio Brief Explanation of Sound Channels de la chaîne Explode 2A03 pour bien comprendre de quoi il retourne. Et oui, je lui ai tout volé dans ses explications complètement merdiques que je vous ai faites et auxquelles vous n'avez rien compris. Sunsoft, ils ont disparu dans les années 2000. C'est un peu triste parce que bon, c'est une boîte qui était assez ancienne, qui avait démarré dans les années 80, même avant, en 78, hein, je vois leur premier jeu. Leur âge d'or, c'est clairement la NES, parce qu'ils la géraient à fond la caisse, et ils étaient considérés sérieusement, voilà, toutes les licences, que ce soit Batman, Gremlins, la famille Adams, hein, avec Fester Quest, ils avaient des licences télé et ciné, quoi, les mecs, donc on leur filait du gros matos, et ça appartient à ces gens qui, avec des licences télé et ciné, arrivaient à faire des bons trucs, chose qui s'est perdue, hein, par la suite. Ce qui est marrant, c'est qu'ils arrivaient à reproduire l'esprit des films ou des séries, mais en respectant pas du tout le truc. Par exemple, Fester Quest, qu'est-ce que ça a à voir avec la famille Adams, à part qu'il y a Fester dedans, mais on a quand même l'ambiance et tout. Quand on va dans les baraques, on voit qu'il y a la musique, etc. Et même Fester, je sais pas, il y a un truc même dans l'atmosphère du jeu qui est un peu bouffon, un peu spooky, Adams Family, quoi, enfin... Ça, si dans la famille Adams il y avait eu un épisode l'invasion des extraterrestres, ben voilà, on pourrait croire que Fester pourrait sortir avec ses inventions débiles pour tirer sur les aliens. Ça serait envisageable. Bon, ça serait un peu bizarre quand même, mais bon, c'est le principe du jeu et ça fonctionne, ça heurte pas, quoi. Alors que voilà, quand tu vois certaines adaptations de films qu'il y a eu par la suite qui essayent de coller un petit peu au scénario mais en même temps pas trop et qui font juste de la merde, tu te dis, ben, autant prendre des libertés pour faire un truc fun, quoi. Et c'est ce que Sunsoft arrivait à faire. Mais dans le cas de Batman et de Gremlins, là pour le coup, ils partent dans tous les sens et ça ressemble pas à des trahisons, quoi. Par exemple, Gremlins 2, on imagine tout à fait que ça peut être ce qui arrive à Gizmo quand il se balade dans ce gratte-ciel rempli de monstres débiles, Batman, bon là c'est encore pire parce que y a vraiment des créatures très bizarres qu'on n'imagine pas dans l'univers de Batman, mais pourtant ça fonctionne, il y a un truc qui fait que j'ai pas l'atmosphère, l'ambiance de Gotham City, les monstres qu'on affronte et tout, ça part quand même pas non plus dans toutes les directions, on peut y croire, quoi, on peut se dire oui c'est des BD un petit peu apocryphes, un peu bizarres, qui prennent certaines libertés mais qui trahissent pas l'esprit d'origine. Et ça, vraiment, ils savaient le faire, mais à chaque fois, quoi. Enfin, bon, très bonne marque. Parmi leurs derniers jeux notables, il y a eu Clock Tower 3 sur PS2. Alors bon, ça, je vous invite à regarder ce que j'en ai dit dans ma vidéo sur Clock Tower. Pour moi, c'est un très mauvais épisode. Ça me fait un peu mal au cul de savoir que ces mecs ont disparu avec ce genre de choses en dernier... En chant du cygne, quoi, pratiquement. C'était pas le tout dernier qu'ils aient fait, mais... Le tout dernier truc en date qu'ils aient à leur actif, il me semble que c'est un remake de Blaster Master. Alors je sais plus si c'est le tout dernier qui est sorti aussi sur Switch, ou si c'est autre chose avant. Mais bon, il me semble que c'était un très petit jeu, et après, pchut, ils ont disparu, enfin ils ont fermé leur studio américain, etc. Et maintenant ils se concentrent sur des pachinko de merde au Japon. C'est presque ce qui attend Konami maintenant, quoi. Donc, paix à leur âme, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Bon, bref, pour conclure, je sais que cette vidéo, les petits gamins qui ne jurent que par la PS4, la Xbox One, la Switch, et, ou pire encore, le PC, je sais qu'ils s'en battront les couilles de tout ça, mais que voulez-vous, il y a des cons partout, tant pis. Et du coup, eh ben, que dire de plus? Rien, hein. Je vais plutôt vous laisser avec quelques-unes des zik du bonhomme et vous inviter, si ce n'est déjà fait, à jeter un œil aux productions de Sunsoft sur NES, puisqu'elles déchirent le cul et restent, à ce jour, certains des exemples les plus spectaculaires de ce dont la NES était capable, quand les devs n'étaient pas des gros branleurs, quoi.